Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sur les énergies de la rentrée, donc du mois de septembre 2021. Et nous allons regarder le signe du Capricorne qui est représenté par le diable dans le tarot de Marseille. Voilà, alors c'est un tirage général. Sentez-vous libre de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site et je vous mettrai le lien en description. Alors, les Capricornes pour le mois de septembre 2021, je fais un tirage avec le tarot divin. Alors, je pense que les Capricornes, vous sortez d'une période où vous êtes peut-être encore dans une période assez compliquée. Vous vous raccrochez à des choses du passé que vous essayez désespérément de sauver. Hein, quelque chose qui est dans votre vie que vous voulez absolument garder, mais qui de toute façon c'est voué à l'échec parce que c'est déjà obsolète. Hein, voilà, ça peut être une relation. Que ce soit en couple, avec un ami ou un lien familial, ça peut être professionnel, peu importe. Il y a quelque chose ici qui, vous avez conscience, qui est en train de s'éteindre, mais que vous désespérément, vous essayez de rattacher parce que vous considérez que c'est un échec et parce que c'est douloureux. Puis vous avez tendance à vous rattacher au bon moment ou à ce que ça a pu vous offrir de bon par le passé. Mais voilà, il y a eu une forme de trahison ici et vous avez du mal à le digérer ici. Vous avez du mal à trouver un équilibre. Je pense que c'est au niveau émotionnel, relationnel. Hein. Je pense qu'en face de vous, alors soit c'est votre énergie, mais je pense pas. Je pense que c'est peut-être une personne en face de vous qui a une attitude un peu autoritaire, un peu tranchante, un peu trop catégorique, un peu trop droite, un petit peu trop dure et que ça vous blesse vraiment. Si c'est vous, peut-être que vous êtes trop justement dans le fait de retenir les choses, de peut-être même essayer de retenir les gens en étant trop dur et trop froid, trop autoritaire. Donc là, il y a un contexte à la coupe un petit peu compliqué, émotionnellement parlant, pour vous en ce début de mois de septembre. La rentrée commence voilà, avec des énergies de tristesse. Hein, il n'y a pas d'autre mot, ce sont des énergies de tristesse ici. Hein, mais parce que vous choisissez de retenir les choses, hein, c'est à vous de décider, de vous dire que ben, vous laissez aller ce qui n'est plus. Et ça sera... ce sera beaucoup plus supportable pour vous. Ouais, il y a vraiment une notion de trouver un équilibre pour vous ici. Hein. J'ai l'impression que vous êtes vraiment blessé par quelque chose et vous avez tendance peut-être à être un petit peu tranchant, un petit peu radical dans votre façon de voir les choses, votre façon de penser. C'est-à-dire c'est ou tout blanc ou tout noir, mais... vous avez du mal à trouver un juste milieu et à accepter qu'il peut y avoir des notions de gris, hein, par exemple. Et puis, même par vos paroles, vous pouvez peut-être parfois être un petit peu tranchant. Alors, je ne pense pas que ce soit dans un but de faire du mal ou de nuire, hein, mais parce que c'est compliqué pour vous en ce moment. Voilà. Vous aspirez à retrouver... un équilibre affectif, un équilibre émotionnel ici avec le 9 de coupe. Vous aspirez à retrouver l'abondance, l'amour ici, hein, mais il y a encore cet empereur ici qui est trop dur, trop rigide. En plus avec la justice et la reine d'épée, on est vraiment dans quelque chose de froid un petit peu, hein, de tranchant. On n'est pas très ouvert ici, hein. Il y a un désir de nouveau départ, mais vous avez du mal ici. Hein. Bah, décidément, l'énergie de l'empereur en ce mois de septembre est très, très, très présente. Hein. Ouais. J'ai l'impression que c'est par rapport à une association, une union,
Il y a une collaboration, il y a quelque chose de cet ordre-là, ce mois-ci, qui vous pose problème en fait, hein. Vous essayez de retenir quelque chose du passé qui se casse complètement la figure et vous essayez de le retenir. Vous voulez là-dessus concrétiser quelque chose, stabiliser quelque chose. Vous avez envie en plus, au fond, de quelque chose qui soit léger, qui vous amuse, qui soit plein de vie, un peu comme un enfant qui profite de la vie, qui ne se soucie pas du lendemain ni des difficultés qu'il peut y avoir. Il prend les choses comme elles viennent. Et j'ai l'impression que vous avez besoin et que vous avez envie de trouver un équilibre par rapport à ça. Pour autant, vous avez du mal ici. Je pense que vous avez besoin de demander de l'aide. En fait, vous avez un sentiment ici de vous sentir rejeté, de vous sentir un petit peu exclu. Vous n'arrivez pas à trouver votre place dans ce monde. Donc ça, c'est au niveau des énergies qui sont actuellement et que vous allez... Et le mois de septembre, vous allez le commencer avec ces énergies-là. Et on vous dit que pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir terminer quelque chose, il va falloir écouter davantage votre émotionnel, trouver un équilibre entre les pensées que vous pouvez avoir et ce que vous ressentez et ce à quoi vous aspirez vraiment ici, hein. Sur les associations, sur les éventuelles unions, etc. En tout cas, sur les relations de couple, on voit que bah, les situations, elles sont complètement bloquées. Ah oui, vous êtes dans un combat, vous êtes en résistance ici, hein. Complètement dans un combat en résistance. Il y a quelque chose ici qui vous tombe sur le coin du nez et vous savez pas trop. Je vais en remettre une ici sur la tour. Alors, soit c'est un contrat qui était déjà passé. Alors, un contrat professionnel, un contrat financier ou un mariage, ça peut être ça. Ou vous avez envie que ça retrouve de la légèreté. Vous avez envie de recommencer quelque chose sur des bases plus gaies, plus enthousiasmantes, plus... Voilà. Et la tour, elle vient, elle le met un grand coup et elle fait écrouler tout votre édifice que vous tentez tant bien que mal. Ouais. Vous tentez tant bien que mal de garder quelque chose, de le maintenir. Et c'est comme si là, on vous dit, mais à un moment donné, il va falloir lâcher. C'est pas la peine d'essayer de retenir des énergies qui sont obsolètes. Même si vous voulez partir sur quelque chose de plus enjoué, de plus léger, c'est, quand c'est fini, c'est fini. Et là, on vous demande, la vie vous met quelque chose d'un peu difficile, mais c'est pas une punition, c'est pas une mauvaise chose. C'est pour vous faire prendre conscience de ce qui est réellement. Et on vous invite à une introspection ici, hein. Là, je pense que vous avez besoin de l'aide d'une personne éclairée qui est peut-être un peu moins dans l'émotionnel que vous ou un peu moins dans le tout feu, tout flamme et qui est peut-être plus rationnel. Vous avez besoin de l'aide de cette personne pour arrêter de lutter. Vous êtes dans une lutte. J'ai l'impression que c'est une lutte intérieure ici, hein. Vous combattez, vous êtes toujours dans le combat, voilà, et vous avez besoin de trouver un équilibre. Ici, vous allez commencer septembre. Si vous arrivez à lâcher ces mauvaises énergies, ce qui vous fait de la peine, ce qui vous laisse en perpétuel combat interne, vous allez pouvoir terminer un cycle. Et il va falloir vous structurer un petit peu plus, être un petit peu plus pragmatique pour faire des choix ici. Il y a une notion de choix, de décision à prendre. Mais on vous dit attention, tout ce qui brille ici n'est pas d'or. Et je mets par-dessus le soleil. Donc ici, on vous dit oui, on peut clôturer un cycle. C'est la fin de quelque chose, c'est un aboutissement, d'accord? Même si vous n'avez pas terminé les choses comme vous auriez voulu,
Parce que vous, quelque part, il y a quelque chose que vous ne voulez pas qui se termine, que vous essayez de retenir, mais qui pourtant, que vous le voulez ou non, ça soit c'est déjà terminé. Et ici, il y a un positionnement à avoir pour clôturer ce cycle et aller vers la lumière. Voilà, sortir de ce combat, aller vers la lumière. Il y a un nouvel équilibre. Et c'est un équilibre surtout émotionnel, relationnel ici, que vous allez devoir trouver. Avec le magicien, vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein, vous allez vers quelque chose de nouveau. Et avec le valet d'épée, on est encore... Là, les deux valets, c'est quelque chose qui démarre. D'accord? Le magicien, c'est aussi quelque chose qui démarre. Il va falloir que vous repartiez sur de nouvelles bases pour trouver un équilibre. Et l'équilibre à trouver, il est entre vos pensées et vos sentiments. C'est-à-dire entre ce que vous ressentez au fond, parce que vous sentez que c'est ce qui vous fait du bien, que c'est ce qui vous fait vivre, ce qui vous anime, que c'est ce qui vous convient, vous le sentez au fond de vous. Et entre vos pensées qui peut-être sont là pour vous dire oui, mais il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça. Je pense que vous avez un nouveau départ à faire ici et trouver cet équilibre là. Sur des associations, des relations ici, pour l'instant, c'est statu quo. Il faut regarder la situation différemment. Je pense que sur cette union, association, ça dépend le domaine hein, où vous êtes. Si c'est au niveau de votre vie sentimentale ou professionnelle, il faut regarder cette association différemment, sous un autre angle. Il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose à comprendre là-dessus. Hein. Mais beaucoup de deniers ici. On vous dit que ce qui est fini est fini. Si vous voulez qu'il y ait quelque chose qui démarre, que quelque chose soit possible au niveau d'une nouvelle association, d'une nouvelle union, puisque là on est sur quelque chose de nouveau, il va falloir regarder la situation, votre situation différemment. La regarder peut-être en prenant du recul. Tout est possible. Il faut y croire. Il faut garder la foi ici. Il hein. Y a des choses à mettre en place. Il va falloir travailler. Et il y a moyen de concrétiser ici. Mais il faut... Ici, c'est comme si on vous disait, arrête de focaliser sur un aspect de ta vie et regarde au sens large. C'est-à-dire, regarde tous les domaines, aussi bien le matériel que le sentimental, que voilà, il y a un tout. Je pense que vous étiez vraiment focalisé sur quelque chose là qui vous bloque et qui vous retient. Et c'est comme si ça accaparait tellement votre attention que vous aviez un peu laissé de côté tout le reste qui pourtant a besoin de votre attention aussi. Et là, il y a quelque chose de nouveau pour moi qui se profile en ce mois de septembre. Mais pour ça, il va falloir que vous acceptiez de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, que vous fassiez un petit tour à l'intérieur de vous, une petite introspection pour voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et trouver l'équilibre. Alors, on va recouvrir avec l'oracle de la triade. Ouais, c'est ça, hein, il y a du mouvement, il y a du changement pour aller vers une réussite, hein. Pour moi, de toute façon, les choix, là, c'est pareil, hein, ils vous amènent sur quelque chose de chaleureux, hein, sur quelque chose de positif. Mais il y a un travail à faire pour vous, hein. Alors, là, il y a quelque chose que vous avez attendu, espéré. La carte de l'isolement nous dit que quand même... Vous vous êtes volontairement mis un petit peu en retrait aussi. Hein. Cette forme de solitude-là, le fait de ne pas vous sentir à votre place, d'avoir l'impression d'être rejeté, hein, cette carte ici, c'est comme si quelque part, hein, c'était aussi de votre fait. Hein. Vous en avez besoin, vous en aviez besoin de recul, mais il faut trouver le juste milieu entre prendre du temps pour soi et s'isoler un petit peu et complètement s'exclure. Ouais, il y a quelque chose qui se termine pour une nouvelle naissance là.
Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous pensez. Il y a quelque chose que vous pensez avoir besoin, que vous pensez vraiment vital pour vous, que vous espérez, qui en fait est une illusion. Vous vous trompez, je pense que vous focalisez sur quelque chose en vous disant mais je ne peux pas faire sans, je ne peux pas vivre sans lui, je ne peux pas quitter ce travail, je ne peux pas changer cette situation parce que c'est ça qui me correspond. Mais je pense qu'en fait, ça c'est vos illusions, c'est votre mental qui vous fait croire que c'est ce qu'il vous faut, mais pas du tout. Et c'est pour ça que vous vous retenez, que vous vous isolez, que vous vous enfermez dans vos pensées, hein. C'est peut-être pas un enfermement physique, c'est peut-être vous dans vos pensées qui êtes hermétique, complètement hermétique. Pour moi, il y a quand même ce nouveau départ, voilà, nouveau contrat, nouvelles associations, nouveau partenariat, voilà, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui démarre avec l'abondance matérielle, financière, relationnelle. Encore une fois, vous le mettez dans le contexte de ce qui vous correspond. Ici, on vous dit que il y a des moments où c'est des passages obligés, ça ne sert à rien de retenir les choses, c'est comme ça, ça doit être comme ça. On vous dit aussi d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter de vous auto-flageller, d'arrêter de vous faire du mal ici. Hein. Vous avez une protection, vous avez la bénédiction ici hein, qui est avec vous. Je pense que c'est beaucoup au niveau relationnel, hein, parce qu'on voit que sur l'affectif, sur les sentiments, vous portez votre fardeau. Et là, je crois qu'en ce mois de septembre, le fardeau, c'est le moment de le laisser. Voilà, c'est fini, on le pose. Il y avait un manque de communication. Je pense que vous attendiez peut-être des nouvelles ou peut-être des explications d'une personne en particulier, de pouvoir échanger pour comprendre. Et puis, ça ne vient pas et ça ne viendra sûrement pas. Donc, il faut arrêter de vous auto-flageller. De vous mettre du poids sur les épaules parce que de toute façon, ça ne nuit qu'à vous, hein, pas à l'autre. Donc, comprenez que vous avez des choses en prévision. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous, d'excellents contrats, excellentes associations. C'est très, très bon pour vous. Mais il faut que vous finissiez de lâcher prise sur ce qui vous fait de la peine, sur ce qui vous fait le cœur lourd. Hein. Allez, on va recouvrir le jeu divinatoire de Yagel Didier. Alors ici, on parle d'un déplacement, de quelque chose d'imprévu ici. Ouais, encore une fois, on me parle de laisser, hein, de couper avec ces contrariétés, avec ces tristesses ici. Hein. Il y a peut-être un besoin, le voyage, c'est peut-être pas un voyage. Alors ça peut être un voyage, partir quelques jours, ça peut être... aller rendre visite à quelqu'un qu'on aime. Mais ça peut être aussi un voyage, comme je vous disais tout à l'heure, une introspection. Hein. Il y a peut-être un besoin de regarder un petit peu en vous. Et puis, ça peut être un signe d'éloignement d'une personne qui s'éloigne ou vous qui vous éloignez d'une personne aussi. Hein. Ici, voilà, on a encore de nouveaux contrats, de nouvelles propositions ici. Vous n'êtes pas prêt hein, dans un premier temps à accepter. En tout cas, pas... on ne vous fait pas la proposition, vous ne sautez pas de joie en disant oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a un besoin d'un temps de réflexion, de peser le pour et le contre. Vous n'êtes pas impulsif sur la prise de décision ici. Hein. Là, avec les toits, je ne la recouvre pas parce que c'est une carte qui nous indique que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, qu'il faut écouter votre petite voix. On voit que les propositions ici, c'est au niveau davantage professionnel. C'est quelque chose qui... C'est une proposition, voilà, revoilà le trajet. Ici, on nous parle, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, on vous parle d'une proposition, d'une association, quelque chose, voilà, d'un contrat, de quelque chose de pour vous engager, en fait, hein, au niveau professionnel ou au niveau d'une activité. Hein. Quand je dis professionnel, ce n'est pas forcément le travail, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous amène à sortir, qui vous amène à bouger, qui vous amène à vous déplacer. Alors ici, on voit votre foyer qui a besoin, hein, on voit alors soit la femme ici, soit c'est vous parce que vous êtes une femme, soit
c'est votre côté féminin qui ressort, soit c'est une femme qui est dans votre entourage ici, peu importe, en tout cas, c'est aussi la carte de la féminité qui représente le yin, hein, qui représente cette forme d'introspection, cette connexion à son intuition qui est là. Ici, on vous dit qu'il y a un nouvel équilibre qui est trouvé, qui passe par une forme de nouvelle liberté. Hop là. Alors, comme elle est partie, je la mets. Vous voyez ici, au niveau sentimental, au niveau affectif, au niveau relationnel, il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous ici. Il y a des nouvelles possibilités. Il faut que vous arriviez à ouvrir les yeux parce que il y a de nouveaux possibles. Ne restez pas figé, fixé sur des choses anciennes. Ici, on voit que vous avez une tendance vraiment trop au repli, hein. On voit que pour certains Capricornes, vous êtes dans votre mental, vous êtes dans vos peines, vous êtes dans votre... voilà, hein, et il faut sortir de là. Ah oui, il y a vos peurs, il y a tout ça qui est vraiment un contexte. Bon, là, ça ne sert à rien que j'en remette parce que c'est tout ce contexte qui est pesant pour vous émotionnellement qui est vraiment là. Alors, ici, on vous dit, ne vous laissez pas entraîner là-dedans. Oui, bien sûr, il faut vivre ses émotions. Et on a le droit d'être malheureux, d'être triste, hein, de certaines situations, mais ne vous laissez pas tirer vers le bas. Vivez vos émotions, extériorisez-les de la façon qui vous semble adéquate, par l'écriture, par aller crier au bord de la mer, dans la forêt, en voiture, peu importe. Mais ne vous laissez pas tirer vers le bas et aller au fond du seau. Parce que là, j'ai un peu l'impression qu'il y a une forme d'enfermement. Et en vous enfermant, vous ressassez énormément les choses, quoi. Encore les serpents là-dessus. Alors, on va se terminer avec le tarot d'Eltine. Bon, ben, en parlant de terminer, voilà la carte de la fatalité qui vient couper quelque chose au niveau de la maison. Ça veut dire que si on laisse quelque chose, si on fait du vide, puisque ici, cette carte nous indique qu'on vient faucher, on vient couper. On fait du vide pour laisser la place à un renouveau. C'est nécessaire. Et puis, bah voilà, il suffisait de le dire. Après la carte de la fatalité, il y a la naissance. En fait, il faut comprendre que cette carte ici, que tout ce contexte ici qui vous demande de lâcher quelque chose, de ne plus retenir ce qui vous fait de la peine, c'est pour vous permettre de laisser entrer dans votre vie de nouvelles possibilités. Voilà, on voit qu'après le moment d'inconstance dans votre maison, hein, parce que ça a un impact sur votre maison, que vous viviez seul ou pas, il y a la paix et la réussite qui reviennent. Donc, c'est un mauvais moment à passer, j'ai envie de vous dire, mais il y a de bonnes choses qui arrivent derrière. Donc, lâchez prise, laissez les choses aller. C'est un cycle de vie. Faites que ce que vous fauchez, servez-vous-en comme d'un terreau pour planter de nouvelles graines à faire pousser, de nouveaux projets. Ici, il y a effectivement des choses qui vous retardent, qui peut-être bloquent, mais peut-être que c'est vous aussi qui bloquiez, hein, ces choses-là, au niveau, encore une fois, relationnel. Mais la carte du retard nous indique que dans votre vie, il y a un événement qui vous a stoppé. Voilà. Mais si vous regardez cette carte, je vais essayer de vous la montrer. Si vous regardez cette carte, il y a la voie ferrée, il y a un éboulis. Mais vous avez la capacité, la possibilité, si vous le voulez, de contourner cet éboulis, puisqu'ici, il y a une plaine, un champ. Il suffit de descendre du train et de passer ici à côté et de continuer votre route différemment, mais de la continuer. Et ça touche le côté affectif relationnel. Et avec la carte bleue, c'est une carte qui nous dit que vous êtes protégé et que vous allez vers votre destinée. Donc, ne vous laissez pas ralentir par des choses que vous retenez. Et parce que vous êtes focalisé sur l'éboulis, sur ce qui ne va plus, vous n'avez plus la capacité de voir qu'à côté, il y a un champ de possibles.
Alors ici, ça nous parle de, alors encore une fois, de travail. Tiens, c'est drôle. C'est comme si il y avait eu un, alors encore une fois, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ici, c'est comme si au niveau professionnel, il y avait eu un problème. Un coup de pas de bol, soit un contrat qui s'est pas fait alors que vous comptiez, que vous pensiez que ça allait se faire, soit sur un travail que vous aviez, ça s'est pas bien passé. En tout cas, il y a quelque chose ici pour certains au niveau professionnel qui tombe à l'eau, qui capote, hein. Ça fait trahison, c'est quelque chose que vous savez déjà. Alors, pas le fait que ça capote, mais alors, le travail, encore une fois, c'est le travail ou les activités. En tout cas, ça, ce sur quoi vous attendez un contrat ou un accord, il y a quelque chose qui ne va pas se faire comme vous voulez. Ici, on vous dit que sur tout ce qui est les tensions, les disputes qu'il y a pu avoir par rapport à des relations passées, etc., on vous dit que vous tournez le dos, ouais, hein, ici. Vous partez, il peut même y avoir, alors ça peut être un départ parce que vous tournez le dos à une personne, parce que vous déménagez, ça peut même être un départ lointain, hein, peut-être même à l'étranger, voilà, hein, parce que vous avez découvert des choses et que là, vous voulez plus. Là, vous retrouvez la paix sur tout ce qui était les trahisons, les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, et là, ça y est. Il y a des choses qui vont encore arriver de façon inattendue. Vous n'allez pas les voir venir. Mais là, ça y est. Vous coupez tout ce qui vous retient. Hein. Là, vous tournez le dos, vous partez. Là, c'est pareil. Encore une fois, vous partez. Vous laissez derrière tous les conflits, toutes les personnes qui sont dans les cancans, le fait de mettre de bâtons dans les roues aux autres. Voilà. Ça, vous coupez et vous allez vers d'autres engagements. Ici, en ce mois de septembre, vous avez décidé de partir vers votre destinée. Hein. Une fois que vous avez fait tout ce nettoyage ici, vous allez vers votre destinée, vers quelque chose qui vous enthousiasme au plus haut point, qui vous passionne et vous partez vers quelque chose de nouveau. Vous lâchez vos enchaînements. Hein. Mais encore une fois, les enchaînements, ça peut être aussi vos peurs, hein, vos propres croyances limitantes. Et ici, avec les pourparlers et l'appui, j'ai l'impression que sur ce nouveau départ, et pour accéder à ce nouveau départ, encore une fois, vous allez avoir peut-être besoin de l'aide d'une personne qui sera peut-être plus pragmatique et qui va venir vous aider et qui va vous appuyer dans vos démarches, mais aussi dans le fait de passer ce cap, hein. Je pense que vous avez vraiment besoin, pour y voir clair, pour vous sentir bien, de peut-être, alors ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, en tout cas, il y a du soutien. Si vous en faites la demande, il y a des gens, il y a des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir à dépasser ce cap. En tout cas, il y a de nouveaux projets, de nouvelles démarches ici. Alors, on va se terminer avec un petit oracle des runes, un message du petit oracle des runes. Je vais tirer trois cartes. Et vous allez choisir soit la une, soit la deux, soit la trois pour le message qui vous concernera ce mois de septembre. Alors, si vous avez choisi la carte numéro une, quels sont vos talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif, offre tes dons au monde. Oui, je pense que là, on vous invite vraiment à sortir de cette période d'isolement où vous étiez vraiment mis dans cet enfermement. On vous demande de vous ouvrir aux autres et de reconnaître aussi vos capacités. Si vous aviez choisi la carte numéro 2, grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Et oui, c'est ce que je vous disais à la coupe.
le fait d'essayer de retenir quelque chose qui n'existe plus, qui n'a plus lieu d'être, d'essayer de faire perdurer quelque chose qui est déjà mort, ça fait partie du passé. Laissez-le derrière parce que ça ne fait que vous ralentir et voilà la carte des retards. Hein, et vous avez le pouvoir de le contourner. Donc allez-y, lâchez, ce qui n'existe plus, n'existe plus. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu fais partie intégrante de l'univers, tu es fait de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Je pense qu'effectivement, ce mois-ci, il y a des opportunités, il y a des possibilités. Ouvrez votre regard, regardez vraiment tout autour, prenez du recul pour voir la situation dans son ensemble, pour pouvoir saisir les opportunités qui sont présentes, mais que actuellement, vous n'êtes pas en mesure de regarder et de voir. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications lors des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Donc pour ça, vous cliquez sur la petite cloche. Vous pouvez également vous abonner sur mon compte Instagram. Je vais vous mettre le lien dans la description. Je propose chaque jour dessus un petit tirage avec un choix de cartes. Donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Et puis vous pouvez me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je vais vous souhaiter une merveilleuse journée et un bon mois de septembre. À très bientôt !